Chaque semaine, l'actualité ludique, c'est les Philly News. Les nouveautés. Great Western Trail, le célèbre jeu d'Alexander Pfitzer, se refait une beauté. Cette nouvelle édition propose un matériel au design revisité et de meilleure qualité, de nouvelles illustrations pour les cartes, les tuiles et le plateau, un mode solo et des meeples vraiment trop classe. Dans ce jeu d'enquête coopératif, collectez les indices sur la scène de crime, faites des liens et remontez le fil de l'histoire pour déterminer l'identité du coupable. Scène de crime propose une série d'enquêtes qui vous mèneront à Londres, Helsinki, Moscou et Brooklyn. Passez les feux au vert, actionnez judicieusement l'aiguillage, gérez le flux des trains sur le réseau ferré et trouvez la meilleure voie pour acheminer vos marchandises à travers l'Europe centrale ou l'Amérique du Nord. Sort également cette semaine Flourish, Magic the Gathering, L'Éveil des Sentinelles, Escape the Dark Castle et un aéronef d'autres. Bientôt disponible! Choisissez votre petit aventurier, ouvrez le livre pop-up et plongez dans le monde en 3D d'Oniria. Avec votre équipe, vivez une histoire épique en 6 scénarios dans ce jeu évolutif et relevez de nouveaux défis en explorant les pages du livre des merveilles. La Mâchoire du Lion est un jeu autonome dans l'univers de Gloomhaven qui propose des règles de jeu simplifiées et une mise en place plus rapide pour rendre plus accessible l'expérience Gloomhaven. 25 scénarios vous attendent dans une campagne pleine de rebondissements. Dans ce dungeon crawler coopératif, incarnez votre héros ou votre héroïne et œuvrez ensemble pour chasser les ténèbres de votre royaume. Récupérez de l'équipement sur les monstres vaincus, préparez votre stratégie et plongez-vous dans différents scénarios. Et dans le reste du monde. Les nominés de l'As d'Or ont été annoncés. Et cette année, une nouvelle catégorie fait son apparition. Il s'agit de la catégorie Initié, qui aura vocation à promouvoir un jeu aux mécanismes fouillés, s'adressant à un public habitué, mais pas nécessairement expert. Les Philly News, c'est terminé. À la semaine prochaine. Et quels sont vos pronostics pour l'As d'Or ?